Hey! Hoyo Minasan, c'est Gunsho! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4. Hey, ouais! Depuis le dernier épisode, je suis parti à la base et j'ai fait mes petites emplettes, mes petits réglages et tout. Donc voilà, donc là, j'ai récupéré mon lance-missile, on va dire anti-robot, voilà. Ok, donc maintenant, c'est parti. Alors, on va se TP. Je crois que j'avais une quête. Installer le Mila ici. Ok, donc maintenant on est là. Qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là là? Bande d'attardés là, à m'attaquer là. Ça, je vois pas comment on fait pour. Ah, là, je suis fou là. Par contre, là, je suis vraiment fou. Ça va péter, ouais. Ça va exploser. Voilà, ça a explosé. Oh, reviens, je m'amusais bien, moi. Voilà, petit enfoiré. Tiens, prends un missile dans ta face! Oh, t'as pas essayé toi! Saleté! Allez, je mange des munitions et le soir après je m'en vais. Allez, on va faire ça, sinon on va pas vraiment sortir. De toute façon, je suis riche comme Crésus. Faut le placer où le machin? Passe là-bas. C'est un peu long quand même, hein. Ok. Attends, c'est quoi là-bas? C'est mon loup ou c'est un animal? Ces pointes. D'abord, je suis déjà passé par là, moi. Ah ouais, il y avait même pas beau ici, je crois. C'est une blague. Et ça me dit les portes tombent à la bricole. Ok, d'accord. Mais soit c'est un bug, soit c'est un troll du jeu. Je ne comprends pas. On verra bien sur le lieu, hein. Tu es où, Tom la bricole, tu es où? Chercher des munitions ou des modules pour vous. Je ne sais pas trop quoi penser. Je crois qu'elle aime un peu trop.
c'est tout? Je comprends pas. Tom, la bricole est mort, bordel. C'est quoi cette quête? Pourquoi elle est encore? Je comprends pas. Il a sensible aux dégâts quoi. Ok, le mec il est insensible aux dégâts. Ok, d'accord. Le mec il s'excite sur un cadavre. Putain, pourquoi j'ai encore cette quête? Ah, c'est chelou. Vas-y, on peut pas abandonner la quête. Ok. Ok, normalement je crois que si je peux partir normalement. C'est encore avec l'actualité. Ok, bon, ah, voilà. Allez. Alors. On ferait mieux. Excusez-moi, Docteur Lee. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un travail important à finir. Ok. Patrick Lamour. Excusez-moi, enfin, Connaître Ablingham. Ravi de vous voir en un seul morceau. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à la tour de masse fusion? Grâce à votre aide, nos forces ont réussi à prendre la tour sans rencontrer de forte résistance des synthétiques. On a posté une garnison là-bas. Elle va garder les lieux pour l'instant. Enfin, on parle. On a du boulot. Ouais. Bon, on y est. C'est le moment de vérité. On a préprogrammé les coordonnées de l'Institut dans le processeur de navigation de Liberty Prime. Dès qu'il pourra s'auto-alimenter, il y foncera directement. Lenny Maxon veut que vous le suiviez pour veiller à ce qu'il arrive au CIT en un seul morceau. J'ai vérifié chaque boulon et chaque connexion de notre bébé. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher l'agitateur, démarrer le réacteur et croiser les doigts. Ok. Si ça marche, combien de temps est-ce qu'il faudra pour qu'il soit prêt à se battre? La réaction devrait être quasi instantanée. Il devrait pouvoir s'auto-alimenter en quelques secondes. Écoutez, j'en ai touché un mot à l'aîné Maxon et on pense que l'honneur de démarrer Liberty Prime vous revient. Branchez l'agitateur de beryllium dans la prise du réacteur, puis revenez ici et appuyez sur le bouton de transfert. Bonne chance, Paladin. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ouais. Écoutez, je suis très occupé et je ne me sens pas d'humeur à discuter. Ouais. Ah, il faut que je monte au niveau. Ouais, je peux prendre toutes les compétences en force. C'est quoi? Locomotive Chouchou ne fonctionne pas sur les robots ennemis de très grande taille. Mouais! Oh non, en fait non.
Réacteur en fusion réinitialisé. Analyse système complète de Liberty Prime. Tous les systèmes normaux. Arme activée. Mission. La destruction de tous les Chinois communistes. Probabilité de victoire des Chinois à Russie. Soldats, salut. Trajet vers la cible. Plus beau jour de ma vie. La liberté est le droit souverain de chaque Américain. Hasley Prime, adieu l'Institut. Mais what? Bon, ben je crois que normalement je le suis, c'est ça? Ben suivons Prime! Allez, Prime, tu peux le faire! T'as déjà battu les connards de... qui voulaient détruire la confrérie dans Fallout 3? Voilà! Après, moi, c'est de m'y faire mettre en pièces, mais bon. Ça, c'est un détail. Voilà, donc c'est parti. Ah ouais, c'est pour ça aussi que je suis la confrérie, c'est que j'aime bien la confrérie, voilà. Voilà. Corporate sera libéré. C'est vrai qu'Anchorage c'est pas là. Anchorage c'est côté Fallout New Vegas, mais bon. Je me souviens bien. De localisation initialisée. Position. Commonwealth de Massachusetts. Berceau de la liberté américaine. Je connais bien ces. Allez, hop. Ouais, quelqu'un. En fait, il a pas vraiment besoin de moi en fait. Ça alors, t'as vu ce robot? Il est puissant, hein? On fait pas d'omelette sans casser les œufs, hein. Arrêtez-vous. Obstacle détecté. Code. Terrestre vers la cible. Probabilité pour la mission 32%. Révision de stratagème. Probabilité d'entrave pour la mission. 0%. La démocratie, c'est la vérité. Le communisme, c'est la mort. Anchorage sera libéré. Ok, d'accord, tu veux passer par là. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est vrai que je suis en... je suis en armure assistée, moi. T'es sérieux, là? T'es sérieux mon robot là? Moi je suis en armure assistée, connard. Enfin un petit ourso là. Coucou Ariel. Ah putain. J'aime pas du tout être dans l'eau avec l'armure assistée, c'est chiant. Quoi, il fallait que j'y aille avec lui? Ah c'est pas possible. Oh, il doit avancer tout seul normalement. Ah c'est bon, il bouge. Bouge dans ce côté, moi je bouge du mien. Le président Chang échouera.
La Shield échouera. Aplati comme des crêpes. What, c'est quoi il tire? Je sais qu'il y a plein de quêtes que j'ai pas faites, mais j'en ai fait pas mal. Hein. Ceux qui me suivent avec mes 100, 100, ouais, pratiquement 180 bientôt là, si je continue. L'épisode, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé dans tous les terres désolées que je pouvais voir, faire plein de quêtes. Je suis en manche quête. Mais voilà quoi. Après, voilà, donc là, j'arrive vers la fin, on va dire à la fin quoi. Activé. Honorer les défauts et le devoir de tous les prisonniers américains. Là, ça serait trop cool qu'il y ait une nacelle, tu m'as arrêté au-dessus de sa gueule, là, il marche tranquille. Là, tu carnates tout, là. Intolérable. Putain. Attention, allez. J'ai une mouche qui tourne autour de moi là, c'est chiant, c'est désagréable. N'est pas une défaite. Enfin si, c'est une défaite. C'est quoi il tire, hein? Ah c'est super une danse. Ah ouais. Ah ouais. T'es comme ça toi. Non mais bot. T'as le behemoth, il a pas fait un pli le con. Oh le good job. Donc après aussi pour les poupées là, enfin les... Et ça, je sais pas. Je sais pas si je les ferai tous en tout cas. Enfin du moins j'en fais la, quand même, j'en fais la grande moitié quand même, hein, de ça. Bon après, on va dire, après je vais revenir pour l'extension de Nukakula. Donc entre temps, je pense que je ferai quelque chose par-ci par-là. Hein, et ça en plus des épisodes, je ferai peut-être des épisodes mais... Juste recherche. Ben, recherche de ça, tiens. What? Ok! D'accord! Moi bon, j'ai utilisé deux missiles pour rien, l'autre il a attrapé. Au revoir. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il faut que tu tournes tôt sur toi-même, c'est ça. Si. Oh my god.
Ah, c'est vraiment dégueulasse. T'as Prime qui écrase l'humain, tu sais, comme ça, en mode je m'en fous de l'humain, là, allez hop, on écrase, on avance. C'est trop ça, quoi. Allez, jouer les scoops, on y va. Explosion. Le Maxon, carrément. Mettez-vous à couvert derrière les jambes de Prime. Mettez-vous à couvert derrière les jambes de Prime. T'as fini? De combien? Accueillez la démocratie, vous serez éliminé. Oh. Joli rayon rouge. Faire quoi? Ah, Geronimo! Geronimo! Ah. La mission se déroule comme prévu, Paladin. Beau travail. Notre prochaine cible est le réacteur. Si qui que ce soit tente de nous ralentir, éliminez-le. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une machine. Quand nous aurons atteint la cible, vous aurez besoin de ceci. C'est une charge à impulsion. Si vous la posez sur le réacteur, il sera ensuite possible de la déclencher à distance. Ce sera largement suffisant pour détruire entièrement l'Institut. Ingram,
Vous allez rester ici et vous nous téléporterez hors de l'Institut une fois la mission terminée. Veillez à ce que tout soit en état de marche. Ok. Bon, ben, on va dire l'épisode final est atterrissé, hein. Ok. Pas moyen de crocheter. Je regrette de... Rien. On va voir cette stupide machine. Comment il fait pour fonctionner? L'écran il est tout baisé. Génial. Ok, cette année copie.
fous, je peux le faire. C'est bon. Voilà. Ok. C'est pour ça. Allez, vous... Non. Vous pouvez les retourner contre nous, vous voyez pas. Ok, bon, bah, on va passer aux choses sérieuses à l'intérieur là. What? L'avion synthétique. Vous rendre dans ces quartiers. Okay.
Ok. Allons-y. C'est quoi cette lumière là? Ah ouais, c'est où il y avait un okay, attends. C'est bloqué. Je ne m'attendais pas à vous revoir. C'est pour le réacteur que vous venez, hein? On a réussi à le faire marcher sans vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es malade? Ne prétendez pas vous soucier de moi. Vous auriez pu m'aider. Et vous avez préféré m'abandonner. N'est-ce pas assez que je sois là, agonisant? Vous avez aussi l'intention de tout détruire? Alors dites-moi, sous quel prétexte vertueux avez-vous justifié cette atrocité? Tu plaisantes? Avec tous les ennemis que tu t'es fait, tu ne comprends pas pourquoi je suis là. Je n'imaginais peut-être pas devoir vous inclure parmi eux. Enfin, tout ça n'a plus d'importance, je suppose. Vous accomplirez votre tâche. Et anéantirez ainsi le meilleur espoir d'un avenir pour l'humanité. La dernière question en suspens, c'est pourquoi vous êtes ici? Vous avez des remords? Ou vous êtes simplement là pour jubiler? Sean, si tu m'aides, moins de gens mourront. Qu'en penses-tu? J'en pense qu'il est hors de question que je vous aide. Partez maintenant. Laissez-moi. Sean. Tout notre travail va partir en fumée. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu souffres? Évidemment. Mais grâce à vous, ce sera bientôt terminé. N'est-ce pas? Fiston. Partez. Il n'y a rien d'autre à ajouter. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Vous avez rendu cela impossible. Le sort du Commonwealth est scellé désormais. Sean. Partez. Maintenant, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je regrette de devoir en arriver là, Sean. Il est trop tard pour les regrets. Ok. Bon, désolé pour cette fin, hein. Voilà. On va essayer de retrouver son fils. Son fils a été kidnappé. Allez, fuck, hein. Ah putain. Hey, what the fuck? Maintenant être dégagé jusqu'au réacteur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que les renforts sont arrivés. Ok. Fiston. Tout notre travail va partir. À l'attention de tout le personnel, ordre d'évacuation donné. Autorisation 1YR3. Veuillez vous rendre au point d'évacuation. Autorisation 1.
Je suis perdu avec tout ça, moi, il fallait où. À l'attention de tout le personnel, ordre d'évacuation donné. Autorisation. Veuillez vous rendre au point d'évacuation qui vous a été assigné. J'ai même pas vu, j'avais un niveau activé. Ah merde, c'était un humain. Deux. Système désactivé. Attends, avec les balles que t'as reçues dans ta tête, quoi. Ordre d'évacuation donné. Autorisation 1YR3-1. Veuillez vous rendre au point d'évacuation. Bon, ça doit, j'ai un petit peu de pitié pour eux. J'ai activé le machin pour qu'ils s'échappent. Ok, d'accord. Toi, tu te tépètes de moi en mode. What? Je me suis auto-injure. Les bras de mon armure. On change un peu d'armes. Ah mais pousse-toi toi, Nemaxon, là. Ok. C'est de la merde.
Beau travail. Je pense qu'il est temps de laisser cet endroit à son sort. Connais ta... Monsieur ? Il est temps d'y aller plus. What ? Ah, je crois qu'il m'avait oublié. Sérieux. Putain. Connaît Dublin Graham, portez-nous hors d'ici. Désolé, aîné. Je l'aurais bien fait, mais... Un enfant vient d'arriver. À l'attention de tout le personnel. Paladin. Ordre d'évacuation donné. Un enfant ? Autorisation 1YR31. S'il te plaît, papa, me laisse pas ici. Je veux venir avec toi. Merci de votre coopération. Papa ? Pourquoi tu m'as appelé papa ? Bah parce que t'es mon papa. Tu poses des questions bizarres. Qui t'a dit que j'étais ton père ? Comment ça ? Personne me l'a dit. Je le sais, c'est tout. À l'attention de tout le personnel. Je suis un peu what the... C'est un peu what the fuck. Bon allez. Oui, bien sûr. Je suis ton père. Ouf. Pendant un instant, j'ai cru que t'avais oublié qui j'étais. Vite, dépêchons-nous de sortir d'ici. Bon allez, on va faire sentimental. D'accord. Tu peux venir avec moi. C'est vrai ? Tu veux bien ? Quoi ? Tu ne me crois pas ? Si. Si, je te crois. Je voulais juste dire merci. Allez, on s'en va. Même si j'ai un doute sur vraiment un humain à 100%, mais bon. Allez-y, Ingram. Faites tout sauter. Tout a l'air de fonctionner. Le système a fini de chauffer, et il n'attend plus que votre signal. Le relais fonctionne. Je ne risque pas de me désintégrer. Ne vous en faites pas, j'ai compris comment ça marche. Alors, vous voulez sortir, oui ou non ? Absolument. Faites-nous sortir de là. Bien reçu, Paladin. Je vous envoie directement au site de détonation avec l'aîné Maxon. Je veillerai à ce que l'enfant ait de nouveaux vêtements et qu'il atteigne l'aéroport sain et sauf. Quand le réacteur explosera, cet endroit ne sera plus qu'un cratère fumant rempli de gravats. Ça devrait valoir le coup d'œil. On dirait que vous n'avez plus rien à faire ici, Paladin. À l'attention de tout le personnel, ordre d'évacuation. Je suis prêt. Autorisation 1YR3. Veuillez vous rendre au point d'évacuation qui vous a été assigné. Merci de votre coopération. Ouais. Ouais. Ok! Pité. Appuyez sur ce bouton. Et vous ne ferez pas que vaincre notre ennemi. Vous rétablirez également l'ordre et la décence au sein du Commonwealth. L'heure est venue, Paladin. L'Institut et ses abominations de synthétique doivent être éradiquées. Est-ce que j'ai un choix ? Ok. Bouton. Envoyé. What the fuck ? Oh. My. God. Rien, les gars ? Oh ! Ok. Ça, c'est de l'explosion. Ok. Je la sens me submerger. La chaleur, la force, la radiation, la peur. C'est la fin du monde, une fois de plus. Je ferme les yeux. Je revois ma vie d'avant la guerre. Avant les bombes. Il suffit d'un instant pour que tout bascule. L'avenir, quand c'était tracé, change du tout au tout. Qu'on soit prêt ou non. Ça nous arrive à tous. Un jour ou l'autre. Ce n'est pas le monde que j'espérais. Mais c'est dans ce monde qu'on m'a plongé. Le Commonwealth. Ma patrie.
On l'a taillé en pièces puis reconstitué. J'ai cru, j'ai espéré pouvoir retrouver les miens. Tromper le temps, reconstituer ma famille. Faire comme avant. Mais maintenant, je sais. Je sais que c'est une chimère. Que le monde a changé. Que la route sera longue. Cette fois, je suis prêt. Parce que je connais la guerre. La guerre ne meurt jamais. What the fuck? Et maintenant? On va parler à Maxon. Aîné Maxon? Vous avez fait un travail exemplaire, Paladin. Nous n'aurions jamais pu l'emporter aujourd'hui, sans la loyauté sans faille dont vous avez fait preuve envers votre cause. Sans blague. Je peux blaguer ou pas? Ouais. Quoi? Ça ne me rapporte rien. Votre récompense, c'est tout le bonheur que vous avez apporté aux gens que vous avez sauvés. L'Institut a cessé d'exister. Il ne troublera plus la paix du monde. Il est temps de refermer ce chapitre de l'histoire du Commonwealth et d'en ouvrir un nouveau. Que voulez-vous dire, aîné? Cela signifie que nous avons encore un long chemin à parcourir pour garantir la sécurité du Commonwealth et de ses habitants. Mais le moment est mal choisi pour en parler. Retournez au Pridwen et nous déciderons de ce qu'il convient de faire. Ok. Bon. Barré pour le futur. Ok. Bon. What the fuck? Si j'ai besoin de vous, je vous appellerai. Ok. Échec, girouette, candal, ok. Avec pour le fun. Je sauvegarde. Ah ouais. Bon, je crois que j'ai passé un petit peu les honoraires. Mais c'est pas grave. Wouh. Voilà. Bon. Ok. Bon, bref, voilà, ben on va dire que on va s'arrêter là pour le moment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra que je fasse plus tard, un nouveau jour, retourner sur le Pridwen, ok. Enfin, je suis pas sûr quand même, je vais voir. D'abord, je vais pas vous quitter maintenant, mais je crois que je vais aller directement voir qu'est-ce qu'il y a sur le Pridwen, comme ça au moins ça c'est fait. Ok, maintenant on est sur le Pridwen, ok. Je suis ravi de vous revoir, Paladin. Le Capitaine Kells et moi voudrions vous parler. Capitaine Kells? Comme l'aîné Maxon a déjà dû vous le dire, la destruction de l'Institut n'est que la première étape de nos opérations dans le Commonwealth. Ah, nous devons encore nous occuper des super-mutants et des ghouls sauvages, ainsi que des synthétiques qui ont survécu à l'explosion. Nous espérons que vous continuerez à servir la confrérie et à nous aider à éradiquer ces menaces. Ok. Des synthétiques dans le Commonwealth? Malheureusement, oui. L'Institut avait disséminé des patrouilles d'exploration, des équipes de reconnaissance et d'autres unités autonomes dans toute la région. Maintenant que leur QG est en miettes, ils doivent se cacher, ou pire, essayer de se regrouper pour lancer une contre-attaque. Au vu de vos états de service, le Capitaine Kells et moi pensons que vous méritez une reconnaissance unique pour vos contributions, passées et à venir. C'est donc avec grand plaisir et tout notre respect que nous vous accordons le titre de Sentinelle. Sentinelle ? C'est le grand honneur qu'un soldat de la confrérie puisse obtenir. Mais nous pensons tous deux que vous le méritez amplement. De plus, nous aimerions vous offrir ce module de propulsion pour votre armure assistée.
La confrérie ne possède que très peu d'appareils de ce genre. Mais nous pensons que vous méritez d'en avoir un. Félicitations, Sentinelle. C'est un honneur de servir à vos côtés. Sentinelle. Je suis la seule sentinelle de la confrérie. Dans notre division, oui. Ça fait bien des années que je n'ai eu aucune sentinelle sous mes ordres. C'est un titre qui implique énormément d'honneur et de respect. C'est pourquoi je ne l'octroie pas à la légère. Sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Comme on vous l'a certainement déjà dit, les paroles sont vaines. Vos actes parlent d'eux-mêmes. Bien, sentinelle. Pour la première fois depuis notre rencontre, je n'ai aucun ordre à vous donner. Dorénavant, vous déciderez vous-même des missions à exécuter et de la façon dont vous souhaitez nous guider. Le capitaine Kells et le personnel du commissariat de Cambridge ont encore beaucoup de travail en réserve. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ad victoriam, sentinelle. Ad victoriam, Emily Maxson. Nouveau jeu. Ouhou. Attends, le niveau 73. Capteur de proximité dans le verre. Délai de réponse, 3 secondes. Et maintenant, je fais quoi ? Fonctionne 100% d'efficacité. Montrer l'exemple. Ouais. Je sens un petit vide quand même. Félicitations pour votre promotion au rang de sentinelle. J'espère vivre assez longtemps pour assister au prochain. En même temps, à la map, j'ai vraiment découverte hein, quand même. Il faut pas le cacher que j'ai vraiment découverte. Bon, après, il y a peut-être des trucs là qui sont pas encore découverts. Peut-être par ici, par là, là. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses à faire ici. Je sais pas. À voir. Il y aura des trucs à faire, je sais pas où, mais il y a des choses à faire peut-être. J'ai pas encore découvert ça. Ok. Bon. Voilà. Je sais pas trop quoi faire. Triomphe de la confrérie. Ok, Prime il fait sa tour, sa ronde. Ok, et le gamin en fait il est où? Je vais quand même rentrer dans le machin. Frères et sœurs, je serai bref. Je tiens simplement à vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits afin de nous permettre de vaincre l'Institut. Nous avons dû consentir d'immenses sacrifices, mais grâce à vous tous, nous pouvons fièrement clamer que nous avons libéré le Commonwealth de l'emprise de ces fous furieux. Demain nous apportera sûrement son lot de nouvelles batailles, mais grâce à vos efforts, aujourd'hui, nous avons gagné. Ad victoriam, frères et sœurs. Je dirais que vous avez obtenu ce que vous vouliez. L'Institut a été détruit, et tout le monde loue votre héroïsme. Qu'est-ce qui ne veut pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Dites-moi que vous plaisantez. Vous ne pouvez pas être aveugle à ce point. Le fait est que de nombreux innocents sont morts à cause de l'aîné Maxson et de sa folie des grandeurs. Il n'arrêtait pas de dire que l'Institut se prenait pour Dieu en créant les synthétiques. Et vous savez quoi ? Il devrait se regarder dans un miroir de temps en temps. Parce que le seul que j'ai vu jouer à Dieu dans cette affaire, c'est lui. Je ne pensais pas que l'Institut devait répondre de ses crimes. Génial! On croirait entendre Maxson. Il a vraiment réussi à vous endoctriner, n'est-ce pas? Vous savez que je m'étais convaincu que vous comptiez vous servir de Liberty Prime pour faire pression sur l'Institut. Pour l'obliger à capituler. C'est la deuxième fois que je laisse la confrérie me trahir, et croyez-moi, il n'y en aura pas de troisième. J'ai déjà prévenu le connétable Ingram que je ne travaillerai plus sur Liberty Prime. Je vais poursuivre mes autres projets de mon côté. Je vous demanderai donc de m'éviter à l'avenir. Ad victoriam, sentinelle. Ok, on peut reparler ou pas? Non. Je crois qu'il y a même plus.
Je sais que je ne suis pas le premier à vous le dire, mais merci pour ce que vous avez fait. L'Institut n'a eu que ce qu'il méritait. Ok. On a gagné. Pourquoi vous faites cette tête ? C'est juste que je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les vies perdues pour en arriver là. Il y avait un pilote en particulier. Il s'appelait Rico. Je l'ai connu quand il n'était qu'un bleu fraîchement recruté des terres désolées. Et je l'ai vu monter en grade pour finalement devenir lancier. Chaque jour, quand il avait fini son service, il venait me voir et on discutait de tout et de rien. Pendant des heures, des fois. Je me rappelle le jour où Kelsey l'a mis aux commandes d'un vertiptère. Il a couru me l'annoncer et il m'a offert une bouteille de whisky. Je lui ai dit de la garder, mais il a insisté. Il a dit que j'étais son ami et que sans moi, il aurait sûrement perdu la boule depuis longtemps. Il lui est arrivé quelque chose ? Le pire qu'on puisse imaginer. Juste avant votre arrivée à bord du Pridwen, Kelsey m'a appris qu'il avait été abattu. Un crétin armé d'un lance-roquette a eu un coup de chance et a fait exploser son vertiptère. Oh, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Ça ne vous regarde pas vraiment. Je voulais juste vous montrer que chaque victoire a deux facettes. Il y a ceux qui survivent et qui peuvent savourer cette victoire, et ceux qui sont morts pour le leur permettre. Bon, les histoires déprimantes, je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Tenez, je tiens à vous donner ça en gage de ma gratitude pour tout ce que vous avez fait. J'espère que ce geste comptera autant à vos yeux qu'il a compté pour moi à l'époque. Ok, merci. Connétable Ingram ? Alors, vous avez d'autres tours dans votre sac, en plus d'avoir fait disparaître l'Institut ? Vous pensez à quelque chose en particulier ? Personnellement, je trouve que vous en avez largement fait assez. Vous avez quasiment accompli sans assistance tous les objectifs que la confrérie s'était donné en venant ici. Même une vieille grincheuse comme moi doit bien admettre que c'est impressionnant. Bref, je ne suis pas là pour vous tenir la jambe. Maxon m'a informé que vous aviez décidé de rester à bord du Pridwen, et j'espérais que vous pourriez m'aider avec un problème de longue haleine. Quand le Pridwen reste en vol stationnaire, comme c'est le cas ces temps-ci, son système de propulsion est énormément sollicité. Je tiens la cadence niveau réparation et on a tout le carburant qu'il faut pour le réacteur à fusion, mais on manque de liquide de refroidissement. Vous n'en avez pas assez à bord ? Je ne m'attendais pas à devoir garder ce ballon d'acier en l'air aussi longtemps. Et ce liquide de refroidissement ne se trouve pas partout. Au lieu de critiquer mes méthodes de maintenance, vous feriez mieux de me donner un coup de main ? Pas de souci. Je vais voir si j'en trouve. Vous pouvez chercher tant que vous voulez, vous ne risquez pas d'en trouver dans le Commonwealth. Tenez, prenez cette liste. Elle indique ce qu'il faut pour préparer un bidon de liquide de refroidissement. Trouvez les ingrédients. Mélangez le tout à l'un des ateliers de chimie du dirigeable et apportez-moi le bidon une fois prêt. Facile, non ? Si le résultat est bon, j'appliquerai même la rémunération prévue par nos règles sur les missions de récupération. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Bonne chance. Ok. Ouais, mais c'est pas une quête, c'est un signe divers, quoi. Ok, bon, ben on va dire le jeu, on va dire entre guillemets, il est bien fini quoi. Hein ? Okay. Eh bien, vous nous avez créé un sacré cratère au centre de Boston. Merveilleux. Merveilleux. Vraiment. Vous n'êtes pas trop déçu que toutes les recherches techniques de l'Institut soient parties en fumée ? Au contraire, j'ai toujours espéré du fond du cœur que les recherches mal avisées de l'Institut ne serait jamais couronné de succès. Et grâce à vous, il semblerait que mes espoirs se soient concrétisés. Je n'ai fait que mon travail, connétable. Allons, inutile d'être modeste. Vous méritez amplement toutes les éloges que vous avez reçues. Et même plus encore. Vos actes ont prouvé aux habitants du Commonwealth que la confrérie se préoccupe de leurs intérêts. C'est un véritable exploit pour quelqu'un qui était encore une nouvelle recrue il y a peu. Enfin, je vous ai déjà pris bien trop de votre temps. Si vous avez encore envie d'aller me chercher des documents techniques ou d'escorter l'un de mes scribes, dites-le-moi. Quinlan ? Je dois vous féliciter, Sentinelle.
Oh, j'ai une quête à lui rendre, lui. Ah, je dois l'avoir des... Ok, parce que j'ai... Ok, je sais que c'est ça. Ok, bon. Ben, on va dire que c'est la fin. Ah, ben, il est là. Le gamin. Des fois, les gens me regardent super longtemps. J'aime pas trop ça. Salut, Sean. Papa, j'étais trop inquiet. Je pensais que je te reverrais jamais. C'est vrai? T'as vraiment fait exploser l'Institut? Pourquoi t'as fait ça? Je sais que c'est dur à comprendre. Ça va aller, Sean. Ils vont me manquer. Mais si c'était eux les méchants, si tu m'abandonnes pas, ça ira. Tu vas pas m'abandonner? Hein? Oh, Sean. Mais où veux-tu que j'aille? Je sais pas. T'as beaucoup de travail et plein de gens comptent sur toi. Ne m'oublie pas, d'accord? Avant que j'oublie, père m'a demandé de te donner ça. Je l'ai jamais écouté, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je crois que c'est important. Le monde de Sean. Ok. Bon, même si c'est un synthétique, je... je sais pas, hein. C'est chiant. Ouais, je me dirais, t'aurais pu garder les autres. Mais non, putain. Fuck. On écoute ça, et ce sera vraiment la fin de mon let's play sur Fallout 4. Entre guillemets, de l'histoire principale, ben ouais. L'histoire principale, donc après je reviendrai peut-être pour faire quelques trucs par-ci par-là, mais à la base, si vous écoutez cette bande, c'est que tous les conflits qui nous ont divisés, vous et moi, sont terminés. Je n'ai aucune raison de penser que vous honorerez la requête que je m'apprête à vous faire. Quand je serai grand, mais je me sens tout de même obligé d'essayer. Ce synthétique, ce garçon, il mérite mieux. Il a été reprogrammé de manière à croire qu'il est votre fils. J'espère de tout mon cœur que vous l'emmènerez. Je vous demande juste de lui laisser une chance. Une chance de faire partie de l'avenir qui attend le Commonwealth, quel qu'il soit. Putain. Tu veux partir loin d'ici, Sean? Tu veux venir vivre avec moi? Sanctuary, ouais. D'accord. Ok. Bon, ça c'est fait, voilà. Commonwealth. Là, c'est loin d'être terminé. Codsworth est un robot, c'est ça? Pas un synthétique. Et c'est un domestique, pas un esclave. C'est un peu compliqué. Ouais. J'avoue, il est assez compliqué ce robot. Ok, donc voilà, maintenant je suis là, voilà. Je sais pas si je lui parle, je sais pas ce que ça fait. Je vais quand même vérifier un truc. Faut travailler pour manger, c'est aussi simple que ça. Putain, ah quoi ça, voilà. Excusez-moi. Je n'arrive pas à réaliser. L'Institut a été anéanti. Je ne pensais pas voir ça de mes yeux un jour. Le Commonwealth va enfin pouvoir se rassembler et bâtir quelque chose de bon pour l'avenir. Mais il ne faut pas croire que tout sera rose à compter d'aujourd'hui. On a encore besoin des miliciens. Et puis ce ne sont pas les menaces qui manquent dans le Commonwealth. Je n'aurais pas dit mieux, Général. L'Institut a encouragé les dissensions dans le Commonwealth pendant des siècles. Mais il reste encore de nombreux problèmes à régler. Même si j'aimerais bien que les miliciens se retrouvent au chômage, je crois que ce n'est pas près d'arriver. Ok, voilà, bon, ben je vous dis à plus tard pour d'autres épisodes... Ben non, enfin, on va dire plus des épisodes que je ferai entre guillemets sur le jeu, je sais pas, je partirai peut-être à la recherche des poupées manquantes, par exemple, qui me manquent. Comme ça, ça vous donnera une idée où il faut les retrouver. Et aussi, j'ai d'autres cuts que je pourrais faire. Je sais pas, comme l'abri 91. Visiter vers là. Je sais pas. Bref. J'irai faire des petits tours peut-être là parce qu'il y aura des choses. Donc voilà.
on va dire que c'est pas vraiment terminé. Je reviendrai pour faire l'extension de Coca, enfin, ouais, Nuka Cola, voilà. Donc voilà, qui devrait bientôt arriver en août. Normalement, ça, je la fais. Donc voilà, bon, mais je vous dis à plus tard pour d'autres épisodes sur Fallout 4 et sur les extensions. C'était Gunshow. Bye!